Meilleurs vœux à tous et à toutes, bon an 2023. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui avec ces nouveaux numéros, le tout premier alors pour l'année 2023. Nous sommes très contents. Dieu nous a protégés durant 366 jours. Ce n'est pas facile, mais nous avons tenu les coups malgré les difficultés, les vents et marées. Dieu nous a tenu compagnie, nous a fait sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes 2023. C'est la toute première émission que nous allons enregistrer aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité, nos abonnés, vous êtes de partout. Bon an à tous les abonnés de Paris, à tous les abonnés de Kinshasa, à tous les abonnés d'Adélaïde. Merci spécial bon an à tous nos amis qui nous suivent depuis Australie, à tous nos amis de l'Afrique du Sud, à tous les amis de Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus spéciale. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ouvrons cette année avec un jeune leader de la province de la Tchopo. Lui, c'est Enoch Sefu Kenge, le futur honorable que nous accordons notre hospitalité ce matin en direct du fameux hôtel Full Business. Enoch Sefu Kenge est notre invité de ce matin, mesdames, messieurs. Comme d'habitude, le maestro Bom Sirico derrière la caméra, sous la super coordination de l'EGA André Digbo, le grand gérant intercontinental. Devant le microphone, c'est votre humble serviteur de chaque jour. Monsieur le micro, fidèle Seleman Infoumouyaboala. On est là ce matin pour discuter autour de ces grands projets, les grandes ambitions de ce jeune leader de la Tchopo, un jeune talentueux pétri des valeurs morales et citoyennes. Lui, c'est Enoch Sefu Kenge, comme je l'ai dit en amont. Merci d'être avec nous. On s'y retrouve tout à l'heure. Kisangani Buzz TV, chaîne Yeto. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme je l'ai dit en amont, nous sommes contents de recevoir aujourd'hui Enoch Sefu Kenge, Otozo Yambaye na Tongona Lelonde ko bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Tozana Esengo ya Koyambayo. Bon an. Merci pareillement. Merci beaucoup. Enoch Sefu Kenge Azali Nani, Azali membre ya EMLC, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, Azali pe coordonnateur provincial, il y a 100% Jean-Pierre Bemba, Azali pe président, il y a dynamique Enoch Sefu Kenge, Azali bongo pe inspecteur provincial, il y a division, il y a environnement, la province ya Tchopo. Tous les sengu ya koyambayo, papa inspecteur, messieurs les coordonnateurs, messieurs les tout. Merci. Bon. Matondika na nzambe. Bien habillé. Merci beaucoup. To quoi? Lokola pina mo konjambo ka. Merci beaucoup. Alors, esengo mingi koyambayo na tonga lelo na émission ya Kisangani Buzz TV, ozali bongo na Kidimia tonga lelo tozo yamba Enoch Sefu Kenge futur honorable. Hein? Futur honorable. Ouais. Alors, Ozali coordonnateur, il y a structure à 100% Bemba. Toko tele mela mingi kaka structure, il y a Ozali une partie, il y a MLC, parce que Ozali moko, il y a Bato Oyo, il y a jeune leader Oyo, baza ko soutenir président Jean-Pierre Bemba Gombo. Ba objectif, il y a 100% Bemba Ozali mingi. Bon, merci beaucoup, Nako Pesangali Loba. 100% Bemba, c'est d'abord structure qui a été créée dans l'objectif de Kandengo Lobiwana, Oyo et Yebani. Alors, dans l'objectif, il y a 100% Bemba, Oyo, Naza coordonnateur dans la province de Tchopo, tout ça, wana pour que vulgariser d'abord l'action du président Jean-Pierre Bemba, tout ça, wana pour que vulgariser idéologie, il y a MLC na niveau ya province ya Tchopo parce que le MLC en tant que parti ezali mais bato ba sengeli ko même vraiment loko la maté ya koloba na bato c'est quoi le MLC ndeza 100% Bemba. Donc musala na biso comme objectif na biso na niveau ya province pe bisika nyonso 100% Bemba ezali eza ko vulgariser toujours message, vision, idéologie ya président Jean-Pierre Bemba. Peba programme na enyonso partout en République démocratique du Congo pe libanda ya mboka toko makasi. Donc souci il y a 100% Bemba Zali était sangoana et palangana na chopo mo bimba bato baye babongo président Jean-Pierre Bemba vision na Zali nini azamo moto ya politique ya kala. Alors il faut normalement
parti ekindimwa musika na momemi lilobawana na kati ya chopo awa na kati ya structure wana izali enon ke sefu kenge to binga kai mingi mingi futur honorable. Alors depuis tozali awa na Kisangani structure ya 100% bimba ici ememi eloko nini ya sika na kati ya Kisangani vision, oui bien sûr, mais concrètement population ils ont bénéficié na nini apport na bino izali nini concrètement? Bon, apport ya 100% bemba na niveau ya province ya Chopo, d'abord na ville ya Kisangani sikanga na zali. Eza que biso vu que idéologie a parti na biso eza le nationalisme, le libéralisme, le socialisme et l'humanisme, toyé d'abord comme jeune kozwa ba ninga na biso bo baza ba jeune kozongisa bango mingi mingi pe na nzela pe koyekolisa bango politique eza nini. Eza na ba jeune mususu ba monaka politique eza eloko yo mingi balingaka kosala te ba monaka réservé pour na ba papa mikolo. Voilà, alors concerné bango te ouais sikoyo biso toyé na province ya Chopo kolobela ba jeune ba bien fondé ya politique kolobela ba jeune le bien fondé ya citoyenneté, donc la bonne citoyenneté to longwa na ba anti valeur to kota na biloko oyo ekopesa tina na kati ya vie ya population ya jeunesse. En tout cas, merci beaucoup Enon Kese Fukenge, li jeune leader monene ya province ya Chopo oyo azali bongo molobeli to pe representant ya 100% bemba na niveau ya Chopo. Alors 100% bemba ezali structure oyo ezali kokota na kati ya parti politique ya MLC. Est-ce que pour bo mener ba action na bino sur terrain bozelaka aval ya parti ou bien oza autonome oki komene ba action na yo ndenge yo moko lingi ou bien ozelaka ndingisa e pa ya hiérarchie? Ben 100% bemba aza d'abord structure na kati ya MLC. En tant que toza na kati ya MLC toza na hiérarchie o eza ko kamba biso tokoki te ko sala likambo libanda ya MLC parce que d'abord pour za la membre na kati ya 100% bemba il faut za la nanu na kati ya MLC o signer adhesion na voilà o adere na MLC nde na sima okoki ko yape o bandi ko travailler na biso na kati ya 100% bemba. Alors lokola objectif ya MLC eza parti politique na biso eza d'abord la conquête et l'exercice démocratique du pouvoir. L'on ne peut pas exercer le pouvoir si on n'a pas conquéri le pouvoir. Na yango wana biso lokola 100% bemba avant que to sale loko to zwakana nu aval to pe accord ya ba autorité na biso ba yeba nini to lingi to sala et loko to lingi to sala est-ce que eza ezo tambola esika moko na vision ya leader na biso est-ce que tozo lobelela vraiment vraiment idéologie ya parti na biso parce que soki toza la ke loko moko o eza libanda ya parti mbele toza na autonomie na biso libanda mais lokola toza na kati ya parti yeke toza régi na statut na règlement d'ordre ya MLC nous devons marcher selon le respect des normes na ba principe ya MLC. En tout cas je pense que to sosoli bongo nini nde 100% bemba présent ici kozali to pesiyombote depuis ville ya Kisangani kutu balinga yo mingi pe kotoyo to kosipela mokolo moko ayaka dernièrement awa je crois après ka ba élection wana ayaka to kosipela lisusu soki to moni papa président komi awa kutu mama FP ayaka mingi mingi to sepeli mingi parce que tango ba jeune baza ko s'engager boye pour na tombo ya parti et puis za jeune moko makasi abundaka mingi je pense que nenge auti koloba moko akopalanisa sango oyo bipai nyoso na kati ya province ya Chopo tozonga na makambo etali province ya Chopo na ba election ba gouverneur awa to mona ki apport pe soutien indéfectible considérable ya MLC et koleka na vice-première ministre mama F Bazaiba ya pesaki force makasi na actuel gouverneur na biso ya Chopo sikona nenge to vandi nenge pe makambo ezo kendele population eza na bugangi nano makasi selon bango nani lokwa malonga esalamite na kati ya slogan tango mama azala ayaka awa alobaka na podium wana na tribune ya poste ya Kisangani Chopo il faut ebonga pe na sima toyo pe kobakisa Chopo ekobonga na nko
population zoli la moins mingi leader et non que c'est fou. Koto yo pe MLC et yaki na soutien makasi na gouverneur na biso. Tokoti pe na année électorale. Est-ce que bozo mona te ke nenge population zo ganga accompagnement pe ya MLC pe et ko ki ko impacter négativement te na ba élection za koya? Bon, makambo tali gestion en province, c'est vrai que le MLC au travers maman Eve Bazaiba Nabiso nyonso ba otoza na province a Tchopo to exprimer ki attachement accompagnement pe soutien na biso na maman Madeleine. OK. Ye lokola mokonzi ya province ya Tchopo, representante ya chef de l'état direct na province a defanda ki programme na ye na assemblée provinciale. Na kati ya programme wana eza na makambo ebele oyo ya lobela ki ya kosala. Lokola batu total a capé quand même ngonga toza na yango. Okay. Ba exécutant ya ba programme ya gouvernement, eza ba collaborateur ya maman gouverneur. To sala ki mikolo ebele to sala ki na ba ministre te, ba ministre ba komi ba cabinet ya ba ministre vandite même ye moko maman gouverneur e pa ya zali na nu penza fandi si ba collaborateur na yete. Alors ngonga oyo toza nango tango ezo kende mbangu me makambo ya kosala nde toza nango ya mwa ebele. Population il faut yeba quand même que na ba programme ya gouvernement ya maman Madeleine il faut batubaza la un peu cultiver dans le sens ya kozala ka d'actualité parce que gouvernement provincial instaura ki système moko ya la semaine du gouverneur na kati ya la semaine du gouverneur eza na ba action ya gouverneur o eleka ka chaque semaine pona kolakisa na population ya province ya Tchopo ba action oyo aza kosala. Donc mutupenda ya chopo ya kuki koloba ke mama mokonza osa yelo kote na koloba kaza peut-être mutu aza informé te parce que mutema mabe kaka bon na kuki koloba kaka kaza informé te parce que soki tolobi aza informé te si ba radio ezali ba téléphone ezali internet et pe comme ekoma kolakisa makambo ebele mutu nyoso tenda zo kangonga kolanda information na radio mutu nyoso tenda za na android de po alanda information na téléphone Moutounion sope tenda zwa kangonga wavanda zota la télévision. La communication, ça peut être aussi des bouches à l'oreille. Yo ki pa ya moutouke. Ah, gouverneur la province déjà sa salibo. Est-ce que bon moun yango te? Toi ki nan to vérifie. Bo ki ti pe nan nou boke koumona. C'est donc ça. Ouais. Koutou dernièrement awa, aouti koloba. Tant to lobi ete, makambo, il faut kolandaka la semaine du gouverneur. Ezo se ngape lo tilikiti. Tant gouvandi nandako, ou pelisi télévision na yo. Ndio kozwa ta ya kolanda nani ya kolanda makambo gouverneur zo sala ngai nalandaka mingi RTNC je pense que ba internet ba kotenir nga rigueur te nalandaka mingi RTNC Kinshasa surtout au comment na izala ba semaine à 5 ya la semaine du président izalaka mingi grand frère nga Edi Chala mto sala sala ka pe ngo mingi au comment na bazola kisabiso ba réalisation ezo salema à travers le pays. Mais kasina kisanga ni tokota la ba information au gouverneur ndenge nini peuple zo lobi ke courant ezalité tango lobi ke semaine ya gouverneur toboite ba action zo sale. Est-ce que ba action wana eza ba action a impact direct na population ou beza ba signature la ba ordonnance ou ba kenaki na ko visiter mo pomo ko boye na côté ya lubilinga kuna soki ya côté ya lubuto azongi ou bien kenaki ko côté ya opala azongi eza ba action oyo ezo intéressé population. Pour information, tu as le makana lotiliki. Population zo la mingi lotiliki. Mais na sepela ki dernièrement awa tango lobi makambo ya courant ezuta la mingi bato a Kinshasa. Yo moni ngo nenge nini? Est-ce que toko tika la kaka bongo etali ki bo Kinshasa abandonné biso? Na naza ko ki kolobi, na ndaza mulobeli na biso na itando ya Kinshasa à part ba député national bazako. Makambo tali lotiliki na province ya Tchopo. Na kozonga mwa sima muke koloba ete papa premier ministre Sama Lukonde ayaki yao balobela ki makambo tali courant na province makambo tali courant na Tchopo il y a le président du Sénat papa Modeste Bahati Lukwebo ayaki yao. D'ailleurs je pense que ça là qui même descente tive sika oyo centrale hydroélectrique ezali bakonzi ya Kinshasa oyo basili kokoma awa na province bayebi que li kambotali courant province za ko ganga makasi mama Madeleine aza pe na souci wana ke province za la ebonga ekobonga lolenge nini soki
facilitation est allée. Oui, bao baza censé qu'on facilite biso biloko bao salangote. Ba facilité biso yango. Nous ne pouvons pas remettre cette charge à Makambo tali courant à Mapeka et maman Madeleine, mais nous pouvons aider à ce que maman Madeleine a mekapé ko aider biso sangwana et comme la ba konziba meka ko décanter la situation parce qu'il y a province biso ba misu tozana ba boti oyo. Pour battre bana il faut battre la musalo et zana courant. Bah vivre frais, bah maman batte ka. Attends, bah yogourt, oh yogourt, bah yogourt, oh yogourt. Moyen, battre qui saban, les autres. Bah laboratoire, na bah hôpital pour travailler, il faut c'est courant. Un problème. Bah morgue pour fonctionner, il faut courant. Les lobes, non c'est commis un peu. Moi passe pour na ko sala. Donc ma cambotali courant. Na yebi que gouvernement provincial ezo sala le nécessaire pour na ko komisa sangwana na Kinshasa et j'essaie et j'espère que d'ici peu nous pouvons déjà avoir des résolutions ya ko décanter déjà la situation wana. Kutupe dernièrement awa je crois na tango ya gouverneur Wale. To sala ka makelele mo mingi ngana zalaka na to sala ka na structure ya Kisanga niveau du courant to sala ka na ba jeune leader rebelle ba jeudi ya mabela ba honorable Jacques Mandjongwe to sala ba action ebele pona ko ya na ko revendiquer l'otili ke zonga na mboka mais ti nenge ay ko longa na pouvoir kura ezonga te na nenge pe mama gouverneur tupe ko kota makamango ezo persister kaka na yango to ko senga na ba konzi mboka na biso bota biso makambo ya courant eza parmi ba biloko oyo population ça n'engo bosenga mingi même mata ba sucre zo mata oyo comme place sucre mali les 2000 ya moto 1500 donc to comme na pays moko yo pour na mali likaka mbongo primati hein omoni alors souci est là que toi ba parce que MLC ça quoi accompagnement wana et ça la raison te que non à la dernière minute ce qui bilan est positif bravo parce que ba tout ba accompagnant qui est ba ko sepe la makati ce qui bilan est négatif. Moi, je crains que ça ait impacté na ba action ya MLC na ba élection toujours pour ça na awa. Bon, ko impacté négativement na ba programme ya élection ça ko pousa na on a MLC na bi que population en province a chopo mubimba. Ba yebi que MLC chopo nengizana malgré implication ya maman Eve na kati ya makambwana avant que gouvernement provincial ebima. Ti lelo na 10 ministres ba composé gouvernement provincial MLC tozui tozana ministère mo ministère ta mon côté tozana ministère té alors ce que soutien on ezayika ya pamba kaka bo soutenir ici l'équipe bongo bon biso totikali fidèle totikali déterminé na engagement oyo tozui ki ya ko accompagner bien même que nanu tozui vraiment place oyo esengela kité Mwambano oyo il fallait qu'il bozoa parce que voilà. Tant qu'on veut soutenir Moutou, elle a fait des comptes il faut payer à récompenser. Voilà. Oh. Mais totikali kaka nanu focaliser na ba engagement tozo qui d'ailleurs province a chopo yebi parmi ba parti politique ya liboso oyo ça là qui message de félicitations à maman Madeleine MLC ndeza là qui ba to ayambo. Ba bimisi ya ba publier mukanda ko comme c'est gouverneur lelo lobi mbala moko MLC ndazala ki mutu ya yambo ko sala yango donc on est toujours attaché on a toujours été à côté ya maman Madeleine parce que nous aussi les MLC nous sommes un parti au pouvoir MLC toza na kati ya union sacrée MLC toza batu oyo d'ailleurs toza d'ailleurs président national so Jean-Pierre Bemba il est parmi les cofondateurs ya union sacrée donc toko kite ko boya ko accompagner muto ya zui pouvoir et voilà toko accompagner kaka malgré moi ba difficulté politique très bien merci beaucoup Bandeko Balandi je pense que toza ko koba to lingi peut-être ko koma na suka na jeune leader et non que c'est Fouking na ba kite ya zali bongo coordonnateur ya structure à 100% Bemba na province ya Chopo lelo toza na isengo ya koyambaye pour na komanyola malamu eloko etali d'abord structure ya 100% Bemba kasi moke kaka to zui moke par rapport na gestion ya province po bango pe bazin impliqué na kati MLC za parti oyo et apporta ki soutien et pa ya mama gouverner to zonga bongo na makambo ya structure siko awa ba Alexis opusana izan ndenge ne bozombi lengela ndenge ni na niveau ya province awa na structure nano est-ce que okoti a moi lokololoko la baninga basala ki na 2018 bon na comme na ndenge ya structure tozo tambola na ina bisa kyo tozo tambola toujours na vision ya président na biso Jean-Pierre Bemba okay. Oyo auta ki déjà ko to ko s'enroler la semaine passée je pense ezala ki le 4 janvier
ndakindeki déjà ko s'enrôler et puis après ça qui message na ye na population nyonso ya République démocratique du Congo. Donc okay. Tout s'approprier ba processus wana ya enrôlement. Donc yeah. Tout s'approprier na no yango pona ko permettre biso les ko s'approprier ba processus électoral. Pona province ya Tchopo tant makambwani ko koma pe pa na biso ya ba enrôlement. Biso pe to ko relayer kaka message. Je pense que ça le 14 février. Février, je sais pas, le 14 ou le 16. Biso pe to ko relayer même message ya président national to ko toko na lingala toko sala ke epanzana lisusu biso pe toza la bato toko sensibiliser population sur le bien fondé ya enrôlement. Toza la bato toko sensibiliser population sur kozwa conscience wana ya ko s'enrôler pona ko lokalisusu toza la bato oyo toko ponande bato ya malamu oyo ba ko kamba biso lisusu pona mukolo mozali ko ya lobby. Donc na province ya Tchopo pona mutuno tuna kingai. C'est vrai, Naza moko ya batu oyo na kozala candidat député provincial ya ville ya Kisangani na ba élection ya 2023 na compte ya MLC. Alors tozana musala makasi ya kosala d'abord sur la population, tozana musala ya kosala makasi sur le message des autorités avant que tokoma na ba processus électoral. Très bien, merci beaucoup chers internautes, je pense que vous êtes en train de nous suivre de partout. Merci à tous les amis qui nous suivent depuis Kinshasa, à tous les amis de Lubumbashi, à tous les amis de Johannesburg, à tous les amis de Durban. Ici, j'ai fait allusion à Monsieur Christian Alioma, le grand journaliste. Merci à toute la famille Isiaka. Merci à tous les amis de Goma qui nous suivent à cet instant. Nous disons encore merci à vous, Maman Eve Bazaïba, Moussala Kitoko, Moussala pour la République Nayo. Femme battante, où il y a été moussala qui est bien à côté, environnement, tant que le beau tal, il y a au moins un mobile, tout le monde cerveau d'acier, maman, le sac, au moins, au moins, au moins, alors, papa Enoch, tu as commis bongo na souka émission na biso, est-ce que tu as un message par rapport à la structure, par rapport à la MLC et par rapport à la population tchopolaise, spécialement à Baoya Kisangani? Bon, message nanga ezalika kaka nangonga oyo toza message zaka moko. To invite population ya province ya Tchopo ya ko s'approprier ba enrôlement ezaliko ya. Donc to sengi na population ya province ya Tchopo. Soki lelo peut-être toza na regret par rapport na mai mazaliko lekana na province et ko kipe ko zala moko ya ba cause biso moko par rapport na ba choix to sala ki. Na minichi oyo ikomi ngonga ya ko s'enrôler lisusu pona ko luka lisusu ba ponami oyo ba ko mema lisusu biso na mikolo mizali ko ya. Donc le seul message pour l'instant ezana nukaka yango na to milengele pona ba processus électoral ezali ko ya. Yango nde penza ezali eloko oyo eza d'actualité pe ala ine na mboka na biso ya Congo démocratique na mikolo oyo. Très bien. Merci beaucoup, chers internautes, vous qui nous suivez. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission que nous avons eu le plaisir d'accorder notre hospitalité à ces jeunes leaders, Enoch Sefu Kenge, qui est en fait ici le coordonnateur de la structure 100% Bemba, qui est une structure liée au MLC, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci à tous les amis qui nous avaient suivis. Mevé les maires de santé, de prospérité, de succès, de progrès. Et surtout, bonne chance à tous ceux qui vont postuler en 2023. Nous voudrions avoir des politiciens capables, hein, capables de transmettre fidèlement nos problèmes auprès des autorités. Et ces autorités-là doivent émaner de la population. C'est ce que nous voulons. Toboy to sala ba konzi obiso to pona ki bangote. Toboy. Mo konzi oyo nga na pona ki te a mo konzi na ngate. Ana a mo konzi ya bato o ba tia ki wana. Aussi, je veux recadrer un truc. Tiens la caméra penza bien. Tiens la bien. To sala makambo moko zo le kana mbwa na biso oyo nga penza na zo féliciter ngote. Na kambo nini? Na nanga bien. Aux jeunes politiciens, dans le bakou jeunes politiciens, aux moana, oyo azo linga komi koti sana politique. Mais mon sala na yo, eza ko finga ka batu. Faire la politique, ce n'est pas insulter les gens.
Faire la politique ne signifie pas venir manquer du respect aux gens. Un monsieur, un papa d'autrui, toi tu te pointes devant la télévision au finga cahier. Je dis bien insulter, je pèse bien les mots. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas la politique. Ce qui est une définition politique, était bozong la parti nabino, baye kolisabino, c'est quoi la politique et c'est quoi un parti politique? On a tendance à voir certains jeunes qui veulent bien embrasser la vie politique, s'attaquer aux gens, même dans leur vie privée. Ce n'est pas normal. Ce que lingi osa la politique, yo yé la biso vision na yo. Il y a Kotonga Mboka, il y a développement des pays. Tout le monde ne peut pas devenir politicien dans ces pays. Donc, ça, tout le monde a l'air à la mouki, à bandit que ça, à Zuiba, à Bokena, à Kokomba, à marcher. N'a comme à lobby honorable. Donc, tu votes pour Tina Kabajena, pas comme à marcher. Toboy. Bah, j'ai on a un koya, au sol, à Kaba, éléphant blanc, toboy. Donc, tu commis à souk à Bouende, au moni, honorable Moko Boy, à la la canaïque tout ensemble. Honorable Moko Boy, à l'obacana écoute, et ndé à bandit côté le Masikoyo, Kosombe la Kabatoba, Varez, Kosombe, Toboy, ba stratégie ouana. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Boya na vision, to voter bino. Na lobi ango pe, mo konzi o nga na vota ki ete, o population a vota ki ete, o a mo konzi na bisote. Et d'ailleurs, na ko bati sa peut-être na na kati a point wana koloba ete biso MLC. Hein? Le ko la parti politique. Ezalaka bien moto tango zo sala politique a yeba elo koni na zo sala. Aye ba idéologie ya eloko ya zo sala parce que chez nous MLC nous sommes en train de œuvrer sur le respect des principes démocratiques donc ba vote ezape parmi ba principes démocratiques oyo hein l'autonomie des choix revient au peuple très bien parce que c'est le peuple qui a le dernier mot les souverains primaires voilà alors kaka peuple wana oyo tokoya ko luka bango baza la peuple moko oyo ba yebi pe biso quand même na bilembo moko ya respect na ya considération kaka ndaki sa opesi ezate bilan eleki 5 ans mobimba to mona ki elo côté parce que tokoti na ba année électorale nde batu ba banda ko lamuka ba yeli biso ba biloko moko oyo eko sunga biso te na ngonga oyo tozali to pesa ki bango nzela po ba sunga biso na ngonga oyo tozalaki na bosenga na bango isalama kite. Alors lelo ba misusu ba koki ba lingi ba banda déjà koya na kati ya babiloko moko oyo ekosunga peuple te nous les MLC c'est d'abord hein, le respect des principes fondamentaux c'est ça chez nous merci beaucoup ouais. Alors na kosili sana adage oyo lo baka mingi na swahili mina ko lobango pe na lingala abachimba ke wese na ushasiki ya mavi utajiambia kungu Bapukaka wesete tango yoki nzongo inene. Po omoni ba honorable na biso wana bazoyaka kopuka wese po ayoki nzongo. Bapuka wese liboso o prepare. Tango nzongo ekoya ndi okay. Na banzi ke bososo li makamo na lobby. Tososo liango. Merci, à la prochaine. Kisangani Buzz TV. Chaîne et tout.